Comme vous le savez déjà, le gouvernement du Congo investit dans la production d'énergie propre et fiable. Avec une puissance de 120 MW, le barrage d'Imbulu produit annuellement plus de 870 millions de kWh en doublant notre capacité à produire de l'énergie. Le barrage de Liweso va générer 19,2 MW d'électricité, faisant partie d'un grand projet de construction de nouvelles centrales hydroélectriques dans tout le pays qui, ensemble, vont générer plus de 1800 MW au cours des 5 prochaines années. Le pays va bien, pour le mieux. Le travail est là. Le président continue toujours à faire des choses pour son pays. J'ai remarqué qu'il y a l'évolution, il y a des constructions, des immeubles, des usines, des hôpitaux. Il y a un changement par rapport à avant. D'ici 2025, le Congo sera un pays émergent. La perspective qu'on laisse en marche vers l'émergence du pays. Le président est en train de faire des belles œuvres, il construit en tout cas, c'est du bon. Je sais que mon pays sera émergé et que nous pouvons faire partie de cette émergence, nous pouvons y apporter. Le peuple demande toujours et le gouvernement agit, c'est comme ça. Comme vous le savez déjà, le travail ne peut pas s'arrêter.